Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter une voiture qui est directement tirée des usines de chez Gillet, la Gillet Vertigo. Alors voilà que j'arrive, juste à l'instant, le propriétaire vient en fait de prendre possession de sa voiture. On va en profiter donc pour faire le tour de celle-ci. C'est une voiture qu'on voit très clairement rarement sur internet, donc c'est un peu l'occasion pour nous de vous la présenter. Alors on file, vous entendez que le bruit est déjà plutôt sympa et vous allez voir, la voiture l'est tout autant. Alors voilà, je viens de me glisser dans l'habitacle de la Gillet Vertigo. Je dis glisser parce que c'est vraiment le terme adéquat pour cet habitacle. On est sur la version route, bien entendu la version que vous avez vue avant était une version course. Au final c'est très proche, c'est quand même très étriqué à l'intérieur, on garde cet univers racing, donc c'est vraiment très très chouette. C'est une voiture qui est donc équipée d'un moteur Alfa Romeo 3 litres 2, moteur position avant, et c'est une propulsion, donc probablement moyen de bien s'amuser avec cette voiture. J'y prends blanc parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour avec, ou en tout cas même en tant que passager avec Tony Gillet. J'espère vous proposer ça très bientôt, mais voilà, comme ça en attendant ça vous permet vraiment de vous faire une idée de ce qu'est une Vertigo pour ceux qui ne connaissaient pas ce modèle. Et bien voilà, j'espère que cette visite un peu à l'improviste du côté de la marque Gillet vous aura plu. Vous aurez découvert peut-être un nouveau modèle que vous ne connaissiez pas, ou en tout cas ça vous aura permis vraiment de vous familiariser avec cette Vertigo Racing et version route. J'essaierai de vous en dire plus très très bientôt. Comme vous le voyez derrière, il y a d'autres voitures. Je ne peux pas vous en montrer plus pour l'instant, mais il y a des modèles juste exceptionnels là-bas derrière. On essaiera de vous faire découvrir ça très très bientôt. Donc sur ce, ben moi je vous invite tout simplement à liker, à vous abonner comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Salut !